jeune Antoine, qui a 8 ans. Bonjour Maïda. Bonjour, c'est moi. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Ça va Antoine? Ça va, toi? Oui, il va très bien. Oui, il va très bien, Antoine. Confidence sur la fréquence. Bonjour Dani. Alors là, il faut tout m'expliquer, tout me raconter. Où avez-vous trouvé cet enfant? Moi, je trouve que c'est bien de commencer une émission de radio, surtout Confidence sur la fréquence, c'est très bien. Oui, ça c'est une bien. Façon de communiquer, c'est contre la solitude, c'est très bien. Eh bien, ce jeune phénomène-là, je l'ai simplement par hasard entendu sur une radio libre. Je trouvais qu'il était merveilleux, qu'il était tout à fait décontracté. Eh bien, il faisait une émission. Moi, je fais une émission, c'est vrai. Il va répondre. Tu fais une émission, toi? Oui, je fais une émission. Oui, c'est quel genre d'émission? Ben, c'est une émission... C'est-à-dire que moi, je vais au cinéma avec un animateur qui fait l'émission avec moi. Oui. Qui s'appelle Philippe. Oui. Philippe Duradino. Bonjour, Duradino.
moi je vais au cinéma, je raconte le film que j'ai vu, tout ça. Puis alors je vous parle un peu de plein de choses, puis voilà. Maintenant je suis partie en vacances. Là je suis juste revenue avant-hier. Oui, pour aller à l'école demain. Voilà, pour rentrer à l'école demain. Il a déjà le sens de la radio parce qu'on appuie sur un bouton et on ne l'arrête plus. Vas-y, continue. Oui, alors je viens de dire que je suis rentrée hier donc. Oui. Non pas hier, avant-hier. Oui. Alors moi je fais de la radio, je fais une émission. Je fais mon émission. Oui. Bon, tu fais de la radio, tu fais l'émission. Dis donc, si on commence à les prendre à cet âge-là, moi je suis plus d'accord. Hein. Il va falloir qu'on voit ça dans les conventions collectives, ça pourrait être prévu cette histoire. Oui, la concurrence à partir de 8 ans, c'était tout de même pas prévu. Voilà. Alors tu sais, premièrement, faut pas laisser tomber son micro. Est-ce que tu vas allumer le micro? Tu sais combien ça coûte un micro? Oui, j'ai des idées, oui. J'en ai vu quelques-uns pour m'en acheter un. Alors je vais te dire une chose, si tu laisses tomber le micro, c'est réduit sur ton salaire à la fin du mois, je crois. Voilà. Je te le dis tout de suite, hein, parce que moi, ils m'ont déjà fait ça. Bon, alors Dali, confidence sur la fréquence et les histoires de cyclistes, ça, c'est ça, on s'appelle, oui, on peut l'interpréter comme ça, enfin chacun l'interprète à sa manière. Mais disons, bon, si vous pensez au civi. D'ailleurs, je viens de savoir, je ne savais pas ce que c'était exactement civi. Moi non plus. Bon, je vais te le dire. Oui. Finalement, civi, ça vient bien sûr de l'Amérique, ça veut dire citizen band. Ah oui, c'est ça. Et c'est à un moment donné, l'État américain donnait une fréquence légalement à l'État meneur pour qu'il communique entre eux, pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls sur les routes. Oui. Voilà. Nous, on avait Max qui faisait ça, bon, en France, qui n'était pas mal non plus. Max, mais finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, une bonne idée. C'est une façon de ne pas se sentir seul, de communiquer avec les autres. C'est très bien. Bon, alors Jean-Louis, voulez-vous, mon cher camarade, présenter à Daïda 5 enveloppes de façon à ce qu'elle puisse tirer au sort le nom de ceux que nous appelons appelés au téléphone pour la valise tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, ça va mon petit Jean-Louis? Oui, très très bien. Oui, ah bon, oui, très bien. On n'est pas fâché avec moi aujourd'hui, vous ne parlez pas. Non, bonjour mon cher camarade. Bonjour mon cher camarade, je vous en prie, bonjour. Bonjour. Ben, c'est très bien. Antoine, tu pourrais peut-être faire une chose, puisque toi tu fais de la radio. Et tu pourrais peut-être donner des cours à Jean-Louis parce qu'il veut aussi faire beaucoup de radio, lui, tu sais. Ouais. Oui. Ben peut-être que sur ma radio libre, si on a besoin de quelqu'un. Tu pratiques, c'est ça. C'est gentil. Ouais, oui. De toute façon, t'es pas ce genre de choses. Mais en plein milieu d'une émission, avec tout un public, où nous étions en train de faire un jeu, il y a quelqu'un, il y a quelques années, il y a 7-8 ans, qui, à la deuxième question du jeu, qui était, disons, une personnalité que nous avions invitée et qui jouait pour des candidats. Et brusquement, il était, je crois, 11h07. Cette personnalité, devant 500 personnes, me dit « Bon ben, excusez-moi, mais il faut que j'aille faire une course. » Alors, je suis resté un peu stupéfait, j'ai dit « Mais quand même... » Non, il dit « Je m'excuse, mais là, il faut que j'aille, je peux pas, il faut que j'aille, non, je suis pressé. » Et elle est partie. Et je suis resté tout seul en scène avec... Oh, c'est pas, c'était extraordinaire. Alors, c'est pour autant que ça ne s'en produise pas, quand même. Mais je vais essayer. Dalida, pour un homme. On s'invente et moi tout au niveau.
Finalement, peu du VTIM siècle Pulsar Quartz vous donne l'heure. Il est 11h24 minutes et 50 secondes. Hey, viens, 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 les vacances au soleil. Palmes aux pieds sous les grands palmiers, c'est ah la fête. Ménage doux, c'est bien, mais tous ces adoucissants gros bidons, c'est lourd, encombrant. Et finalement, peu les yeux sont bandés. Oui, pareil, oui, les yeux. Pas regarder la bouche. Non, non, ouais, non, parce que vous avez remarqué, elle regarde souvent la bouche pour en bah oui, c'est pour ça, bah oui, j'ai bien compris. Dramatique. Ça va, Odile? Odile, ma chérie, ça va? Non, mais c'est parfait, pas de problème, on entend strictement rien. Passons aux questions. Là, vous êtes prête? Absolument prête. C'est extrêmement indiscret, attention. Avez-vous déjà essayé de dessiner avec les pieds? Non. Mais c'est oui, il faut dire. Pas fréquent quand même, ça vous dit, on ne peut pas faire ça tous les jours non plus. Partez-vous en tournée avec une pharmacie complète? Complète? Oui, j'avais bien raison. On se moque de nous, moi je fais la même chose. Alors, c'est très important. Mais bien entendu, ils se moquent de nous quand on fait ça, et puis après le soir, ils arrivent en disant « Oh, je ne me sens pas très bien, je ne pourrais pas aspirer. » Voilà, je vois que ça est très bien de quoi il s'agit. Et Dieu sait si on nous le fait, ce genre de choses. Oui, ça va bien, toi. Hein. Je continue. Excusez-moi, je m'adresse à mon réalisateur qui me parle pendant que je suis en train de faire les jeux, ce qui est extrêmement pratique. Oh là là, pas facile ça. Vous sentez-vous, Naïda, capable de traire une vache? Je l'ai jamais fait, non. Il paraît que c'est très difficile en plus. Il paraît, c'est très difficile. Il faut vraiment appuyer là où il faut. Ben voilà, tout le problème, voilà, c'est qu'il faut appuyer là où il faut. Oui. Au début, d'ailleurs, au début, ça va de mal en pis. Oui, au début, ça va de mal en pis, sans dégager. Il paraît que c'est très difficile et en plus, moi, j'ai peur des vaches. Des vaches Je ne me suis pas posé la question finalement. C'est quand même très gros ces machins-là. Oui, je sais pas, non. Ils sont comme une lueur d'inintelligence dans le regard, moi qui me fait quand même un peu peur. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez mercredi dernier à la même heure? Bien que ça ne me regarde d'ailleurs absolument pas. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez mercredi dernier? Non, vous pouvez pas. Sinon, je mentirais, quoi. Oui. Ah ben ça, là, tout de suite, comme ça, je ne sais pas, non. Vous ne savez pas vraiment ou vous ne voulez pas le dire? Non, même moi, je n'ai pas tellement de mémoire, même si vous disiez il y a deux jours. Bon. Donc, j'aurais dû réfléchir un moment avant de répondre, voilà. Donc si vous étiez interrogé par la police, vous seriez déjà suspect. Évidemment. Bon. Avez-vous déjà subtilisé une serviette de bain dans un hôtel? Si j'avais quoi, pardon? Subtiliser une serviette de bain dans un hôtel, oui. Ah oui, comme ça en douce, oui. Oui, ça m'est arrivé. Ah, bah oui. Elle arrive à tout le monde. Mais oui, bah oui. On sera récompensé pour sa franchise. Bon, avec qui est beau. Alors là, les enfants, je vous demande de bien imaginer la scène. Avez-vous déjà pris un bain de minuit? Oui. Oui. Mais oui. Absolument. Ah bon? Je peux vous demander si vous étiez complètement habillé ou... Ah ça, je vous répondrai après l'émission. Ah! Alors vite, dépêchons, parce que je voudrais savoir. Vous arrive-t-il de faire le poirier pour vous détendre? C'est le poirier, c'est la tête en bas sur les deux mains, les jambes en l'air, un truc épouvantable. Non. Non, c'est pas une position de yoga intéressante. Oui, c'est une position de yoga, mais je la fais pas. Vous ne la faites pas? Sans raison, c'est extrêmement dangereux. On va faire ce genre de choses. Est-ce que vous faites du yoga lendemain? J'en ai fait. Oui. Donc oui, mais dans le passé. C'est bien, c'est un bon résultat, ça détend bien. Quand on le fait vraiment bien, oui, ça peut détendre, mais en même temps, il faut avoir vraiment un maître très, très valable, parce que ça peut être aussi dangereux, parce que quand on touche à la respiration, c'est quelque chose d'important. Ah, oui, je vous l'avais dit, j'ai le touché, parce que 78. Oui, donc, c'est vraiment dangereux. À part faire ce genre de choses. Est-ce que vous faites du yoga lendemain? J'en ai fait. Oui. Donc, oui, mais dans le passé. C'est bien, c'est un bon résultat, ça détend bien. Quand on le fait vraiment bien, oui, ça peut détendre, mais en même temps, il faut avoir vraiment un maître très, très valable, parce que ça peut être aussi dangereux, parce que quand on touche à la respiration, c'est quelque chose d'important. Ah, oui, je vous l'avais dit, j'ai le touché, pour 78. Oui, aussi. Je peux repartir? Oui, vous sortez. Mais j'aurais peut-être pas dû revenir. Mais... Non, mais à mon avis, vous auriez dû rester où vous étiez. Bon, ben maintenant, nous allons retrouver Claudine et Odile. Attendez, non, il faut qu'elles soient isolées, parce qu'il faut que je fasse le bilan. Elles le sont, bon, je fais le bilan. Où j'en garde ça parce que c'est important. Alors nous avons un oui, deux oui, trois oui, trois oui, à trois oui seulement. Trois oui et quatre non. C'est bien, la vache, les pieds, des... Bah oui, non, mais c'est bien, enfin.
oui et 4 non. Bon, maintenant elles peuvent revenir. Claudine, Odile, ça va les petites biches? Ça va mieux, oui. Bon, alors je vais vous reposer les mêmes questions, en commençant par toutes celles dont la réponse est oui. Et dès que vous penserez que la réponse est non, il faudra hurler à ce moment-là, rien ne va plus, et vous pourrez miser ce que vous voulez, des sommes folles, enfin vous jouerez quand vous voudrez. Alors au début, vous me dites oui, tant que c'est oui. Et dès que vous pensez que la réponse est non, vous m'arrêtez et vous me dites rien ne va plus. On est d'accord? Oui. Alors je commence par les oui. Pardon? On va miser, on mise tout le miser tout de suite. Faut appuyer là où il faut. Et c'est pas facile de trouver le là où il faut. Eh bien mes enfants, Claudine et Odile viennent de réussir le rien ne va plus. Voulez-vous envoyer les plaques qu'il y a maintenant sur la table? 3000 francs pour ce coup-là, c'est formidable. On va faire un jeu d'enchaînement. En plus, bien entendu, des petits repos, des super, des affaires inouïes, et aussi 25% sur la literie. Jusqu'au 19 septembre, 25% de remise sur toute la literie. Le pays où la vie est moins chère. Maintenant, faites-nous suivre vos moments. Sont des monomos du petit Larousse et qui font leur entrée comme beaucoup d'autres dans le petit Larousse 83. Le petit Larousse en couleur édition 83 réactualisé vient de paraître avec un grand concours et 1200 superbes prix. Bonjour, dans notre émission est Gilbert. Expliquez lui-même, Gilbert, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Dany, bonjour Claudine, Odile. Ah, c'est un jour de bon, c'est le mercredi. Oui, c'est ça. La rentrée. C'est... Ah bah oui, mais les enfants sont pas contents la veille de la rentrée, ouais. Faut pas leur rappeler ça. Cette chanson, c'est la chanson d'un film qui a le même titre exactement. Exactement, oui, un film fait par les jeunes, pour les jeunes et les moins jeunes. J'ai beaucoup de plaisir à assister à la projection de ce film. Il faut dire que quand j'ai enregistré la chanson, je n'avais pas encore assisté à la projection et moi j'ai passé un bon moment en tout cas. Et quelle est l'histoire en gros de ce film où on s'en fout, on s'aime? Eh bien l'histoire, il leur arrive plein d'aventures. C'est un film d'amour. C'est un film d'amour, jeunesse, tendresse, et aussi bon, musical. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la prestation des acteurs, notamment Derrico. Longtemps, je ne l'avais pas vu dans un rôle comme ça. Oui, c'est un personnage qui est toujours aussi étonnant, Derrico, il faut changer. Oui. Et vous avez fait la musique. Philips le sait. Réfrigérateur Philips 55 modèles. Donc 10 en couleur. Réfrigérateur Philips la cube aluminium. Plus facile à nettoyer. Réfrigérateur congélateur Philips 280 litres. Contre-porte démontable. Plus facile à ranger. Ce que vous Le Normand, bien sûr, le Normand, oh là là.
savais pas où passer. Dali, ça m'a dit quelque chose. C'est pour pas assez, faut pas perdre de temps. D'accord, là, oui, oui, d'accord. Non. Je suis nulle pour ce genre de choses. Mais non, mais je suis désolé. Non, mais c'est parce qu'il faut se concentrer au maximum. Et il faut pas les regarder, le public, parce qu'ils soumettent. Il faut pas les regarder. C'est moi qu'il faut regarder là dans les yeux. Non, non, après ça. Bon. Alors, le score, mesdames et messieurs, n'est pas. Non, 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 n'est pas brillant, hein, je suis désolé là. Deux. Ça n'est pas extraordinaire. Renvoyé. Le score est renvoyé. Le score est le 2. Bon, bah je me tourne maintenant vers Claudine et Odile. Ça va mes enfants? Oui. Ça va? C'est la part 1. Ça va pas aller loin, ça. 200 multiplié par 1, ça fait 200. Bien joué, Jean-Louis. Bon. Êtes-vous prête, mesdames? Oui, bien sûr. Reste tout de même sur le tapis, pour jouer tout à l'heure, 4000. Structure acier béton de votre maison. Soit 20 ans de plus que la garantie légale. Maison Phoenix, 30 ans tranquille. Adressez-vous au centre d'exposition Phoenix de votre région. Sophie 12 mois nous parle. Moi, Sophie qui est un an, ça m'ennuie plus que maman, si ma robe s'est trop fouillée. Quand je suis en train de jouer, ça vient vraiment tout gâcher. Regarde, voilà le change à élastique tendresse, l'élastichange tendresse. Tu as vu? Tendresse a des poussées absorbantes. Avancez dans la vie.
Deuxième heure. Et après tout, je me parade. Dans la vedette. Et Dalida. Notre casino parade avec Dalida, et cette chanson Danza est extraite d'un 30 cm que j'ai sous les yeux. Dali, est-ce qu'il est sorti dans le commerce ce 30 cm? Non, je crois qu'il va sortir incessamment là dans quelques jours. Oui, il est s'appelle beau. Mondialement Vôtre, et c'est il y a des chansons en anglais, Gigi Lamoroso par exemple en anglais, il y a, oui, il y a The Great. En allemand, The Great Gigi Lamoroso. The Great Gigi Lamoroso. Il est devenu grand là-bas. Et puis il y a des chansons, bon, bien sûr en français, en italien. En allemand. En arabe. Et en arabe, oui. Il y a une chanson en arabe, c'est un pot-pourri d'anciennes chansons. Même il y a certaines chansons que moi je chante là-dedans et que je ne connaissais pas. Car nous avons pris des extraits des chansons très célèbres chantées par différents interprètes arabes. Et nous avons mis tout ensemble. On ne peut pas tout chanter parce que c'est très long. Mais on pourrait donner peut-être un petit extrait tout à l'heure. Il y a même une chanson en allemand, je veux également. Oui, il y a une chanson en allemand, oui. Antag, oui. Alors je prononce... Antag als der Regen kam, ça veut dire le jour où la pluie viendra. En fait, ce sont toutes des chansons connues. Ce sont des chansons très dans des langues différentes. Des langues différentes.
Mais vous avez appris toutes ces langues ou vous parlez phonétiquement? Mais c'est-à-dire, je parle 4 langues, je comprends 5, mais je chante 7 à peu près. Mais c'est étonnant cette affaire-là. Alors, quelles sont les langues que vous parlez? Français, italien déjà? Oui, anglais, arabe. Anglais, arabe aussi? Oui. Vous parlez bien l'arabe? Oh, je le parle, enfin, ça dépend. Là, j'ai chanté en Égypte, au Caire, à Alexandrie, au mois de juillet. Et puis, bon, quand j'arrive, je cherche mes mots et après, quelques jours après, ça revient. Revient. Bien sûr, on n'oublie pas la langue de son enfance. Et le grec également, là, vous oubliez? Non, ben, c'est-à-dire le grec, non, je ne parle pas le grec, mais je peux chanter, je chante. Ah ben, je chante en japonais. C'est pas possible. Oui. Chantez-moi un petit rapidement. Oulala, mais alors là, je ne me rappelle plus. C'est n'importe quoi. Oulala. Oulala, c'est pas... attends. Je ne sais plus, j'ai jamais en japonais comment c'est. Ça doit être bien ça en japonais. C'est pas possible parce que de toute façon, moi c'est phonétiquement. Hein, j'ai les mots devant moi écrits en français. Et puis, phonétiquement, et puis après, oui. Avec quelqu'un qui est là et qui. Qui vous dit ça n'en comprend pas, il faut recommencer. Voilà. Ouais. Exactement, pour l'accent. Oui. Oh non, ça va, ça dépend. Enfin, la chose la plus difficile, la langue la plus difficile, c'est le flamand. Alors, le flamand, c'est quelque chose. Moi, je sais ça. Damen und Herren, c'est tout ce que je sais dire, j'entendais ça dans les avions. Damen und Herren, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, après. Non, mais ça, c'est de l'allemand, hein. Damen und Herren, c'est les. C'est aussi les flamands, oui. C'est Damen und Herren, c'est pareil. Ça se ressemble. C'est peut-être pour ça que je sais le dire, alors. Bon. On va faire un petit tirage au sort. Je vous rappelle que le mercredi 22 septembre, le Casino Parade se déroulera depuis le centre culturel de l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. Parmi les lettres reçues, il a été retenu celle de monsieur et madame Thomas de Pont-à-Mousson. Qui n'en croient pas leurs oreilles. 1459. C'est l'appel à 12h15, c'est qu'elle a rendez-vous à 13h. Il va peut-être venir la chercher.
Ici le casino du Caire, mesdames et messieurs, nous allons tenter maintenant des bancos d'une rare fureur. Il y avait de l'ambiance, là, Denis. Ah oui, mais c'est merveilleux, ça fait plaisir, parce que c'est la première fois qu'ils entendent ça, et ils ont l'impression de connaître toutes ces chansons que même moi. C'était toujours la même, c'est excellent. Eh bien, ça a marché, alors je vais prendre la même chose, Véo. Toujours Véo. Qu'est-ce que c'est, voyons, voyons, voyons. Hello, Dolly. Ah, bon, voilà, une seconde, parce qu'en version originale. En anglais. Alors. Hello, Dolly. Hello, Dolly. It's so nice to have you back. Tu es parti, ne sais plus pourquoi.
fameuse blanc de Popeye est bien fondant dans la bouche. Et cela vous le fait envie? Alors goûtez Gervillage. Car Gervillage, c'est toute la saveur du lait du bocage lourd. Jean-Antoine,